N'oublions pas. Cette jolie fille qui se moque, c'est Lina la fée qui rogue. Elle n'a pas bon caractère, mais son cœur est grand ouvert. Dans la lucarne, dans la lucarne, regarde bien dans la lucarne, tu deviendras un amicard. C'est la lucarne d'amicard. Vous avez entendu? Ah, tiens, encore! Vous avez entendu cette fois-là? Cette fois, c'était net, on dirait un appel. Vous êtes sûr? Sûrement une tuyauterie coincée ou hier qui ronfle. Non, écoutez, rien à voir avec hier qui ronfle. Non, je vous dis que j'ai entendu un cri. N'est-ce pas, Pierre Gédéon? Absolument. Hé, hey, j'ai entendu un enfant qui pleure. Oh, moi, je supporte pas ça, hein. Ouais, 6 ou 7 ans, il ne doit pas être plus vieux. Non. Rien entendu. On est complètement bouchés. Viens voir sur la terrasse, Pierre Gédéon. Ah, regarde, c'est là. Oh là là. Oh, c'est une toute petite fille, elle a l'air de souffrir. Elle vient de perdre une dent. Qu'est-ce qu'elle pleure? C'est une dent de devant ou une dent du fond? Parce que moi, je me souviens... Quand j'ai perdu celle-là, ma maman... Tais-toi, gros lait. Émina, Pierre Gédéon, racontez. On vous écoute. Bah, ça y est, vous savez tout, les souris. C'est une petite fille, donc. Et on a vu que son papa lui préparait une aspirine. Je pense que sa maman va lui chanter une berceuse et dans peu de temps, elle va s'endormir. Ah oui, elle habite, cette petite mignonne. Bah, juste en face. Quel étage? Troisième. Troisième étage, gauche, je crois, sans ascenseur. Oh, c'est bien notre chance. Bon, ben moi, je mangerai bien un gâteau avant d'aller me coucher. Ça y est, ça recommence, gros lait, cette gourmandise. Pas question de gâteau. Tu sais très bien que le sucre, ça donne des caries. Alors, tu vas te coucher sans gâteau. Allez, oh. Vas-y. Ah. Bonne nuit, Pierre Gédéon. Corde, mousqueton, piolet, on n'est jamais trop prudent. Tu te souviens du coup du balcon? Ah oui! Ah, je te vois encore! Ah, tu me balançais dans le vide avec 12 étages sous les pattes! Ah, les lampes de poche! Je les ai! Ça avait pensé aux piles? Oui, oui, tout est paré! Bon, eh bien, reste plus qu'à descendre au coffre-fort, alors j'y vais. Hé! Hey, pour les pièces d'or, t'en prends 2! Elles le méritent! À ce qu'ils ont dit, elle a eu très mal aux dents. Oh, hé! Hey, on est prêtes, les copines? Ah, prêtes! Pour l'opération d'anglais, en avant, tous. Super, à nous de jouer maintenant. Gâteau au chocolat, à la crème de banane et en petite meringue fraîche. Ouais, ça va être gros, ouais, ça, gros lait. D'abord, 200 grammes de farine. Oui. Farine, vous me laissez faire. Alors, 200 grammes de farine, ça doit, oui, à peu près faire ça. Voilà la suite, Amilcar. Ajoutez délicatement 3 œufs entiers à nain. Oui, non, tout de suite. Faire, Rolet, tu vas tout casser, toi. Voilà. Tiens, bah, écoutez, c'est pas une partie de rugby, enfin. Ah, bon, allez, du calme. Ensemble, voilà. Sans coquille, s'il vous plaît. Sans coquille, Amilcar, tout de suite. Et le troisième. Voilà. Ensuite. Peser 527 grammes. Soigneusement broyé. Pierre Gédéon, voilà. Saupoudré de sucre. Oui. Et fouetté jusqu'à ce que le mélange atteigne une consistance assez ferme. Une consistance assez ferme. C'est. Ouais. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Attendez, attendez, là, c'est pas possible, il y a une erreur, là, parce que... Berg. Berg, dis donc, Amilcar, il y a un truc que je comprends pas, mais c'est bizarre, ça. Ça me semble pas prendre. Il y a une erreur. Tiens, tu veux pas goûter? Alors En tout cas, l'erreur est vachement bonne. Non mais ça ressemble à rien, c'est pas possible. Enfin, on peut pas leur servir ça. Puis en plus, alors qu'il a, je suis sûr qu'elles sont sur le chemin du retour. Faut faire quelque chose, écoutez. Mille excuses, c'est moi le coupable. Vraiment, désolé. Non, attends. Amilcar, c'est pas vrai ça. Attends, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que je devais traduire directement du japonais et je me suis un petit peu trompé dans les proportions, quoi. C'est pas vrai. Alors là, je le crois pas. Non, c'est toute cette fête pour en arriver là, c'est... Bon, je suis vraiment avec une bande d'accapables. Merci pour moi. Bah alors qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et si on perd son déjac d'être un gâteau? Et on le mange? Ah non! Bon, eh ben, dans ces conditions, je sais ce qu'il me reste à faire. Comme toujours, faut parler au plus pressé, alors. Heureusement que je suis là. Tout ça pour rien. Trop, c'est trop. Tiens, Lulu, va ranger les pièces. Une petite fille qui avait soi-disant perdu une dent de lait. Je t'en fiche. Elle dormait comme un ange. Et ses dents, elle les avait toutes. Trop, c'est trop. Et oh, là-dedans, vous entendez? C'est à votre tour d'avoir les oreilles bouchées. Votre plaisanterie a failli nous coûter la vie. S'en est fallu de peu que Lily se fasse manger par un chat. Et Lola, trois poils de sa queue qu'elle a laissés dans une tapette. Et moi, j'ai cru mourir. Mais vous entendez la fin? Ohé! Et on part dans le vide! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! La tour infernale! Vite, les pompiers! Yark, voyons, dis pas de bêtises. Joyeux anniversaire, les souris. Dis donc, j'espère que vous nous en voulez pas de vous avoir joué ce petit tour. Il fallait bien qu'on trouve un truc pour vous éloigner. Ah bah oui, sinon, pas de surprise. Je vous souhaite un bon anniversaire, jante et jolie demoiselle. Fasse que cette année supplémentaire vous mette un peu de plomb dans la cervelle. C'est pas du chocolat, c'est du gruyère. Ah oui, alors ça, je dois dire d'ailleurs que j'en suis assez fière. Je me suis bien concentrée en pensant à vous, Lili, lalala, et j'ai particulièrement réussi ma formule magique. Maman! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Amilcar? Ce n'est rien, mon chéri. Tu vas mettre ta dent sous l'oreiller et la petite souris passera cette nuit. Bah, ce soir, c'est pas notre anniversaire! Mais non, c'est notre fête! Allez, les filles, au boulot!